There are two dangers, my friends, and your own Stendhal understood them well. The Reds and the Blacks. All right, you're French, but you're white. This is the free world. We are surrounded by a Red Sea. A Red Sea of blood. Mr. Freedom, c'est un film culte de William Klein. C'est un film culte, mais c'est un film assez peu vu aujourd'hui. C'est l'histoire d'un super-héros américain qui est missionné par une mystérieuse organisation secrète pour libérer la France du péril qui guette dans cette fin des années 60, à savoir la menace rouge, la menace communiste. And you know that the world is divided in two parts. On the one side is right, and on the other side is wrong. Wrong is red, and right is red, white and blue. Yeah. C'est évidemment une grosse caricature de William Klein, puisque Mr. Freedom, qui est joué par John Abeck, un acteur assez méconnu mais qu'on a vu dans Playtime de Jacques Tati. Ce Mr. Freedom-là, il porte un chapeau texan, il a un look de cow-boy, on dirait un petit peu John Wayne, avec cette tenue aussi de baseball américain. Et il ne cesse de dire qu'il va apporter la démocratie, alors qu'en fait, il ne connaît que la force et la brutalité. Come on, eat another one for democracy, and another spoonful for independence. It's almost all gone, one more for freedom. Alors le casting du film, il est assez étonnant, puisqu'on retrouve Delphine Seyrig dans un rôle à contre-emploi, puisqu'elle joue, on va dire, une pin-up, alors qu'elle était jusque-là assez habituée au rôle assez intello, notamment chez Alain René. On a également Jean-Claude Drouot, notre Thierry Lafronde national, Donald Pleasence qui joue le supérieur de Mr. Freedom, Serge Gainsbourg qui devait à la base uniquement faire la musique apparaît dans le film parce qu'il avait adoré le scénario. I like freedom. Yeah. Samy Frey joue Jésus, Philippe Noiret joue Moujik Man qui est le on va dire l'opposé, l'adversaire de Mr. Freedom. Alors en France, on connaît surtout William Klein comme photographe de mode et photographe de rue, mais il faut savoir que dans les années 60, il va amorcer une carrière au cinéma, notamment un film déjà assez satirique hein, qui s'appelle « Qui êtes-vous, Pauli Magou ?», qui s'en prenait déjà au milieu de la mode et à la société de consommation. Et ce qui est très particulier avec Mr. Freedom, c'est que sous l'apparence comic book assez légère, satirique, presque potage du film, en fait se cache un film explosif, une farce contre l'impérialisme américain, contre l'expansionnisme américain. Je crois que c'est très transparent. Monsieur Freedom traite la France comme le Vietnam. Le film va d'ailleurs avoir de gros problèmes avec la censure. Sa première aura lieu un petit peu de façon clandestine au Festival d'Avignon en août 68, mais il mettra 9 mois à atterrir dans les salles françaises. Le problème qu'évoque la censure à l'époque, c'est pas du tout le rapport à la critique de la politique américaine, c'est plutôt que le film fait curieusement écho aux événements de mai 68. We shall attack! Et donc, quand mai 68 survient, le film est en cours de montage, mais William Klein, qui sent bien qu'il est en train de capter quelque chose d'effervescent dans l'époque, va tout simplement ajouter des vraies images des manifestations de mai 68 pour les intégrer à la fin de son film. Et donc, ce film délirant, assez marqué par le pop art, arrive en France début 69. 69, c'est un moment important, puisque c'est vraiment le moment où la contestation contre la politique américaine, à la fois en Europe, mais aussi aux États-Unis, commence à prendre de l'ampleur. C'est le moment où vraiment l'opinion publique est très très énervée contre ce qui se passe lors de la guerre au Vietnam. En voyant le film, les gens vont sans doute rire, être emportés par le mouvement. Mais s'ils se croient au cirque pendant le film, je crois qu'à la fin du film, ils vont se rendre compte qu'ils regardent les actualités. Et d'ailleurs, pour vous montrer à quel point le film n'est pas juste une farce rigolote, il faut savoir que William Klein a pris des vrais discours de président américain ou d'officiel au Vietnam, à savoir Rusk, Johnson ou McNamara, pour les mettre dans la bouche de Mr. Freedom. Il a également pris des discours de Brejnev pour les mettre dans la bouche de Philippe Noiret, qui joue donc Moujik Man. You want peace, we want peace. But your leaders do not want peace. I grant a 24-hour truce. I beg you, for your sake and for mine, don't force me to go all the way. Help me. And I'll help you. Donc le film est vraiment une charge très très violente contre les États-Unis et contre leur politique. Et d'ailleurs, Jonathan Rosenbaum, qui est un très grand critique de cinéma américain, dira que c'est le film le plus violemment anti-américain qui ait jamais été réalisé. Oh, darling, you do like him. Everybody likes him. He's sweet, Mr. Freedom. He's not a bit sweet.
He's mean and he kills everybody. Only bad people. No, he kills everybody. Nobody likes him. He wants to kill us. Shut up, I've had enough. Et surtout, il faut savoir que William Klein reviendra souvent sur la postérité du film. Il dira qu'au moment de l'élection de Jimmy Carter en 77, le film n'était plus vraiment en raccord avec l'époque, mais qu'au moment du retour conservateur au pouvoir, à savoir l'élection de Reagan en 81, le film Mr. Freedom retrouvera des couleurs et une brûlante actualité.